السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدقشية. اليوم رانا 28/08/2014. Bonsoir, messieurs, dames, nous sommes le 28/08/2014. كالمعتاد يعني دائما متكلف بتحليلات وتحليلات وتحليلات حول ما يجري في الشرق الأوسط فيما يخص داعش والتحركات الدولية خاصة الجهوية الدولية نتاع الجهة. حبيت نذكر يعني هذا الاجتماع اللي وقع في المملكة السعودية في الرياض اللي جمع مجلس التعاون الخليجي معظمهم والمعارضة اللي ما زالت بمثل تحلم معارضة سورية ممكن مسلحة ولا غير مسلحة اللي على كل حال تقترح حل سياسي بينها وبين الحكومة السورية. كل الحكومة السورية ما زالت تنتظر في هذا الحل السياسي بعد ما انتخب الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة يعني 7 سنوات على رئاسة الجمهورية العربية السورية. إذن يعني التحليل غامق جدا ومرتبط بالكلمات اللي قدمها يعني زعيم المقاومة في لبنان السيد حسان نصر الله. على كل حال يتكلم باسم حزب الله يتكلم على هذا الموضوع أيضا وعلى محور المقاومة يعني بصفة شاملة كيف الأمور يعني دور تتجه ضد هذا الخطر الداعشي. C'est toujours en relation avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, j'évoquais cette réunion à Riyad qui a regroupé, disons, l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe arabo-persique, ainsi par exemple que cette opposition syrienne à l'étranger qui continue encore de rêver d'offrir une solution politique au gouvernement syrien, alors que le problème est dépassé concernant cette opposition à l'étranger. La solution est syrienne à l'intérieur de la Syrie et l'élection présidentielle pour renouveler le mandat au président Bachar al-Assad de 7 ans encore a dépassé ce problème. Il n'y a plus de Genève 1, de Genève 2 et des histoires à dormir debout. Donc, je fais donc une analyse un peu nouvelle pour approfondir ce sujet. Vous allez donc écouter cette écriture, cet article que je viens de formuler en vue de vous donner quelques lumières sur ce qui se passe. Je commence. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال نقرأ الشيء اللي كتبته باللغة الفرنسية كالمعتاد. متجه لي الجهة معينة يعني هما المهاجرين على كل حال القدم يعني أولادهم وهذيك باش يعني يكونوا مطلعين يعني بالأمور اللي راهي تجري في بلاد جدودهم وأصلهم وفصلهم. نقرأ على كل حال. Si la prise de parole du leader du Hezbollah évoquant la coordination tactique sur le plan stratégique global entre tous les membres de la résistance, pas seulement limitée aux seuls Libanais, mais entre les résistants libanais, l'État syrien, l'État irakien, la République islamique d'Iran, ainsi que tous les États qui se sentent en péril par cette menace représentée par Daesh. Ces autres États en dehors du camp de la résistance, que j'ai
surnommés, n'ont qu'à joindre, n'ont qu'à se joindre d'une manière ou d'une autre à ce camp pour combattre ensemble ce péril, puisque le Hezbollah et les autres membres du camp de la résistance ont décidé de le combattre sans reculer, jusqu'au bout. C'est ce qui a été affirmé par le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mualem, en harmonie avec son homologue iranien, rejoint dans leur analyse par leur homologue russe, Sergueï Lavrov. Ainsi, une proposition est faite également à l'Arabie saoudite, qui se sent pareillement en ce moment sous l'épée de Damoclès Daesh, bien qu'elle ne le dise pas. Ce même danger qu'elle-même a façonné et qui se retournera indéniablement comme un boomerang contre elle. C'est toujours le magicien, la magie du magicien qui se retourne contre le magicien. Ou ce scorpion qu'on met dans la poche sans prendre garde, quand on remet la main dans sa poche, on risque d'être piqué. Alors que ce scorpion, disons le renégat qui l'a mis dans sa poche, c'est dans le but de l'utiliser contre autrui. Donc, cette épée de Damoclès qui pend sur le royaume saoudien. Ce même danger qu'elle a elle-même façonné, cette Arabie saoudite, et qui se retournera comme un boomerang contre elle, repoussé par la résistance du peuple, de l'armée et des autorités syriennes, irakiennes et libanaises, qui lui résistent, qui le combattent. Devant ce risque de lui retourner sur la gueule à cette Arabie saoudite, l'initiative iranienne par son envoyé spécial, Abdullah Lehyen, pour discuter avec le roi Abdullah d'Arabie saoudite sur ce sujet, prévenir à l'avance que ce front de la résistance sera amené à intervenir en Irak contre Daesh, ne doit pas laisser la possibilité à quiconque de critiquer une telle action. Aux Saoudiens de s'y rejoindre, s'ils le souhaitent, car le danger les menace pareillement. En fait, ce n'est pas une ouverture diplomatique au sens propre entre l'Iran et l'Arabie saoudite que les Iraniens proposent, ou même un revirement de leur position pour qu'ils soient conformes entre les deux États de la région, mais seulement une tentative de dégel entre les deux pays, compte tenu de certains signaux émanant même des Saoudiens, exprimant une certaine crainte de ce même monstre représenté par Daesh, que les Saoudiens eux-mêmes ont entretenu à coups de milliards de dollars de connivence avec les USA, les Anglais, les Turcs, l'entité sioniste, le Qatar et j'en passe, pour faire tomber le gouvernement syrien, pour découper l'Irak, pour déranger le Liban. Maintenant, il est devenu menaçant même pour eux-mêmes. Le ressentir des Saoudiens, que Daesh peut être un danger mortel pour eux, pas pour tous, mais pour ceux qui sont détenteurs actuels du pouvoir royal, considérés par certains autres Saoudiens, parmi les plus fanatiques dans la doctrine du wahhabisme, comme des mécréants, et contre qui ils ont constitué des cellules dormantes à l'intérieur même du royaume saoudien et qui n'attendent que le moment propice pour les éliminer du pouvoir par la violence. Et donc, pourquoi pas, avec Daesh, qui doit être l'armée de mercenaires qui le ferait.
Donc, ces princes saoudiens sont sous la menace de Daesh. Tandis que d'autres princes partagent le point de vue de ces fanatiques et par là offrent un terrain fertile pour ce terrorisme. En fait, de par sa nature, le plus faible régime dans la région est bien celui des Saoudiens. Dans la stratégie de Daesh, faut-il s'attaquer à l'Arabie Saoudite ou retarder un peu temporairement et là trouver pour acquérir d'autres moyens, d'autres ressources pour se renforcer, également imprégner les populations sous sa domination dans la partie irakienne et syrienne qu'ils occupent de leur dogme, de manière à peut-être les enrôler dans une armée encore plus forte de Daesh. Le message iranien aux Saoudiens que Daesh menace la stabilité aussi bien de la République arabe syrienne que de l'Irak, de même s'il parvient d'atteindre le royaume saoudien. Et donc, un appel pour trouver une plateforme pour combattre ce danger. Déjà, il y a eu une réunion à Riyad pour soulever ce problème entre les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, les Jordaniens, les Koweïtiens et beaucoup plus. Un peu tout le monde qui ont soutenu Daesh, en y ajoutant la Turquie, et donc analyser le développement et les métamorphoses de ce monstre qu'ils ont eux-mêmes façonné avec les Américains, les Anglais, les Français, et du comment ils peuvent le contrôler si c'est possible, pour parfaire les objectifs qu'ils lui ont assignés sans aucune concession en faveur de la République arabe syrienne, avec cependant une proposition de solution politique possible entre le gouvernement syrien et ses opposants syriens présents à cette réunion à Riyad, alors que la solution politique est déjà trouvée par la réélection du président Bachar el-Assad pour un nouveau mandat de 7 années à la tête de l'État syrien. Est-il devenu incontrôlable ce Daesh au point où il s'inquiète et font semblant que tout est sous leur contrôle, ces pays du Conseil de coopération du Golfe? Cette attitude irresponsable de ces pays de la coopération du Conseil de coopération du Golfe, qui continue finalement de mettre leur tête dans le sable, alors qu'en Jordanie, plus de 3 attroupements réunissant des centaines et peut-être des milliers de gens brandissant des drapeaux noirs de Daesh, parmi eux, des éléments armés tirant des rafales de fusils mitrailleurs en l'air, criant des slogans et des serments d'allégeance au nouveau calife Abu Bakr el-Baghdadi à Mossoul, chef de Daesh, avec l'aval des autres organisations jihadistes des frères musulmans implantés en Jordanie. Et toute cette marche a été encadrée cependant par des agents de circulation jordaniens pour faciliter leur marche. Donc, en plein public et comme s'il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Il y a donc encore un espoir pour ces terroristes d'obtenir un résultat contre l'État syrien. Pour revenir à l'histoire de la première fondation du royaume saoudien avec les Wahhabites, les mêmes massacres furent commis contre les différentes tribus de l'Arabie d'alors par des bandits de grand chemin, avec à leur tête ce grand aïeul des Ibn Saoud. En fait, c'est un bandit de grand chemin qui faisait des razzias au Koweït au temps des Anglais, avec les corsaires anglais en fait. Bon. Par des mercenaires anglais également. Contre les tribus d'Arabie d'alors, par des bandits de grand chemin, d'une particularité tribale, par des mercenaires anglais, aidés par des mercenaires anglais, comme l'espion Hunter de la couronne britannique, conseiller de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur même du wahhabisme.
J'ai fait à cet effet une vidéo qui le montre bien, du temps de la couronne britannique, qui se sont finalement, ces soldats et ces mercenaires anglais, qui se sont tous mariés avec des femmes arabes, et peut-être plusieurs femmes en même temps, avec des enfants. Donc les descendants se retrouvent certainement parmi les familles royales saoudiennes présentes. Des tentatives furent également dirigées dès l'établissement de ce premier état wahhabite, furent dirigées en direction de l'Irak et de la Syrie. Des massacres ont été exécutés contre des pèlerins qui venaient faire leur pèlerinage à la Mecque, avec des razzias et des vols contre ces pèlerins, exécutés par ces wahhabites saoudiens, pour étendre donc leur domination, qui heureusement fut stoppée par une armée égyptienne, envoyée par un bey sûrement, un sultan qui dirigeait l'Égypte à ce moment-là, sous l'Empire ottoman, qui les a matés. Il a envoyé une armée avec son fils, qui les a matés. On peut retrouver ce fait historique. Ça, c'est le premier état wahhabite. Par la suite, il y a eu une deuxième étape avec Laurence d'Arabie, et donc la chose a évolué jusqu'à ce que l'Empire ottoman s'écrase, et donc à ce moment-là, s'explique le partage, etc. Et donc l'Arabie saoudite est établie d'une manière pérenne. D'où la haine finalement pathologique entre Turcs et Saoudiens, bien que alliés contre la République arabe syrienne. C'est ce fait historique que je viens de rappeler qui fait que finalement les frères musulmans, et donc la Turquie, les frères musulmans de la confrérie des frères musulmans, et les wahhabites qui sont un petit peu autres que frères musulmans, extrémistes, ils ont une espèce de haine pathologique vieille depuis cette époque où les Saoudiens reprochent finalement aux Turcs de les avoir empêchés de faire leur premier état wahhabite à ce moment-là. En fait, ce terrorisme, et je reviens maintenant au présent, en fait, ce terrorisme est la conclusion de ce que l'impérialisme, le sionisme et leurs alliés et laquais ont voulu présenter ou faire passer comme peuple syrien en guerre civile armée contre son propre gouvernement. Ils ont voulu nous dire que c'est une guerre civile et finalement des protestations pacifiques qui ont été, disons, réprimées par la police et l'armée syrienne, et donc il fallait intervenir pour sauver le peuple, alors qu'en fait c'est une mise en scène que je suis en train de décrire. Pour faire passer comme peuple syrien en guerre civile armée contre son propre gouvernement. Alors que dès le départ, ce fut des massacres en masse d'innocents, des assassinats contre des minorités culturelles, chiites, sunnites, alaouites, etc. Des destructions de centrales électriques pour mettre tout le monde dans l'obscurité, de destruction de systèmes de distribution d'eau, comme à Alep, à plusieurs reprises. Des pompes ont été détruites, pollution de l'eau, des boulangeries centrales, finalement, qui servaient à donner du pain au peuple, ont été plus ou moins détruites, des destructions de lieux de culte, sans distinction, que ce soit une église, une mosquée chiite, une mosquée sunnite, n'importe qui. Le tombeau de, disons, le tombeau de Ibn al-Walid, Khaled Ibn al-Walid, attaqué comme finalement des mausolées pour les chiites également attaqués. Enfin, on attaque tout ce qui est, même la mosquée d'Alep qui est sunnite, la grande mosquée d'Alep qui est la copie conforme de la mosquée Omeyyade à Damas a été certainement détruite, complètement détruite. Le minaret a été miné, les manuscrits anciens de ce temps-là ont été dilapidés et conduits vers la Turquie, sûrement dans les marchés de brocante. Destruction, vol d'usines entières, alors sans distinction, des destructions systématiques de tout ce qui est infrastructure du pays. De vol d'usines entières dirigées vers la Turquie, de vol de cultures ou de moissons et d'élevage
moisson de coton, d'élevage d'animaux, volés également expédiés vers la Turquie, mais grâce à la résistance du vrai peuple syrien, de son armée arabe syrienne, de son gouvernement avec à sa tête le président Bachar al-Assad. Cette supercherie impérialiste a été dévoilée et ces faux révolutionnaires, pour leur majorité, des mercenaires étrangers à la Syrie, d'origine de plus de 86 pays du monde, furent en partie éliminés et en grande partie repoussés hors de la Syrie pour se retrouver à cheval entre la Syrie et l'Irak, avec une tendance de vouloir s'étendre vers la Jordanie, s'approchant de l'Arabie Saoudite. Et là, s'est établi leur, leur califat. Bon, je suivrai encore cette vidéo par une autre pour la compléter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.